Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans Serven Black. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve, je suis un peu essoufflé. C'est parce que là on est rentré dans la partie de l'année que je déteste et qui est pas marrante pour les vidéos, puisque je sais pas pour vous, mais en tout cas chez moi commence à faire chaud. Du coup c'est casse-couille avec tout le matos, et en plus je dois porter ça qui tient chaud et qui est méga lourd. Bref, c'est pas marrant quoi. Donc on va continuer Agatha Christie, hein, vu que c'est ça qui est prévu aujourd'hui. Je sais plus c'est le combienième de let's play, et on s'était arrêté devant cette dame, ok. Là, on était à la pension machin. Je crois que je l'avais déjà interrogé. Hein. Attends, je l'ai... Ah merde, ça a pas sauvegardé, putain. Je vais le passer, c'est pas grave. Madame Marbury est de bonne humeur. Elle travaille avec précision et produit des épluchures remarquablement fines. La chambre de Monsieur Cust est au troisième. Ah bah si, ça a sauvegardé. Et pourquoi ça marque interrogé alors? Complètement con. Ah oui, j'avais déjà regardé ça en plus. Ouais, bah ça a sauvegardé. Bon, ça va, c'est pas un jeu de merde. Pourri que ça. On va monter. On s'était arrêté dans sa chambre alors. Oui, la chambre de Cust. J'ai déjà regardé ça. Lettre de John Milligan. Monsieur, suite à notre courrier des 5 et 10 courants, nous vous confirmons par la présente votre embauche en qualité de vendeur à domicile, aux salaires avantages et conditions fixées dans nos précédentes lettres. La marchandise vous sera expédiée par colis postal, ainsi qu'une machine à écrire de marque Redfield, dont vous voudrez bien faire usage pour toute correspondance commerciale. Pour l'organisation de vos tournées, vous vous conformerez au calendrier suivant. 21 juin, Andover. Vous arriverez en train la veille au soir et descendrez à l'hôtel de la gare. Vous commencerez votre tournée par les quartiers nord de la ville. Cette lettre établit que Cust s'est rendu à Andover. Mais l'encre a couvert les destinations de ses autres voyages. Je sais, par Madame Marbury, qu'il s'est rendu à Churston. Il me reste à démontrer qu'il est allé à Bexhill, et j'aurai prouvé sa présence sur tous les lieux du crime. Si tu le dis... Est-ce Cust qui l'a fait tomber en ouvrant la fenêtre, ou Madame Marbury en faisant le ménage? Je dois récupérer le ruban. Comment vais-je m'y prendre? Oh non, pitié. La bobine de droite a été retirée. La bobine de gauche a été retirée. Je crois que... Si. Et voilà le ruban. Si. Voyons s'il a bien servi à écrire les lettres envoyées par ABC. C'est l'énigme la plus facile du jeu, on est d'accord? Pour mon enquête, je n'ai besoin que du ruban encreur. Je laisse Jap nettoyer le clavier si le cœur lui en dit. Toutes les lettres annonçant les meurtres ont été tapées sur la machine de Cust. Ouais. Ok, c'est fini. C'est un ABC. Un couteau à longue lame, une arme d'assassin. Il est basique. Cet objet me sera certainement utile. Cust est économe. Il garde ses crayons et les taille jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. On voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance. Il y en a qui faisaient ça à l'école. Quelle horreur! Cet endroit est un véritable bazar. Ça c'est un bazar, bah putain. T'abuses mec, hein. Le moins qu'on puisse dire est que Monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Des indicateurs ABC, assez pour signer une dizaine de meurtres. Il y a tout un stock. C'est fermé.
c'est fermé. Ce couteau est bien pratique. Qui sait, il n'a peut-être jamais rien coupé d'autre que de la ficelle. Je suis pas sûr. Alors j'ai fait ça. Ouais, j'ai pas fait ça. Le moins qu'on puisse dire est que Monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Laudanum des pharmaciens Camerons. Du laudanum, un médicament contre la toux. C'est ce que le docteur Clark avait prescrit à Madame Asher. Cet objet me sera certainement utile. On voit pas trop en quoi, mais bon. Ok. C'est pas dit de quitter, bâtard. Acide diéthylbarbiturique, compagnie Johnson. Bon, c'est quoi ça? Je connais ce médicament. C'est un puissant sédatif. Cet objet me sera certainement utile. On n'a pas fait l'armoire. Le quotidien de Bexhill, daté du jour du meurtre de Bexhill. Sans doute le maillot raccommodé par les mains expertes de Madame Marbury. Les mains expertes. Tous les articles importants qui traitent de l'affaire ABC sont là, à partir du meurtre de Churston. Rien d'antérieur à cette date. Pantalon, chemise blanche, tout cela est fort bien lavé. Ouais, j'ai fait toute la pièce. Où que se trouvait-il au moment du meurtre de Bexhill? Ah. Cust était certainement à Bexhill le jour du meurtre. Sans blague. Le registre révèle que Cust n'a pas dormi à la pension le jour du meurtre. Où était-il? Bexhill. Le journal Bexhill Paper le révèle. Cust l'a acheté à Bexhill le 25 juillet. On n'a plus rien à faire ici, je pense. Ce n'est pas le moment. Ah, quoi? Le mec, on a tout fait. Guerre de 1914-1918. Par ordonnance du roi, le nom du caporal A.B. Cust, du régiment du Devonshire, a été publié dans la Gazette de Londres du 10 mai 1918, dans l'ordre du mérite pour sa bravoure et son service distingué. Une citation à l'ordre de l'armée. Blessé sur le front de la Somme, victime d'une attaque au gaz, le caporal Cust n'a pas volé sa distinction. Ce n'est pas le moment. Mais qu'on a tout vu. Je vois pas ce qui reste, hein, mes amis. Peut-être faire quelque chose avec ça. J'en ai terminé. Je crois, les amis, que ça a bugué. On peut pas sortir. C'est ce bordel. Sérieux. Cette tache sombre, ce pourrait être du sang, mais Dieu sait depuis combien de temps elle est là. Inutile de continuer l'inspection de cette chambre, j'ai vu l'essentiel. Putain, je trouvais pas alors que c'était par terre. Bon, en même temps, c'est pour ça que je le voyais pas, quoi. Pour une tache de merde, sérieux. Au revoir, Madame Marbury. Merci de votre collaboration. Au revoir. Vous voilà, inspecteur. J'allais partir. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bienvenue dans ma pension. Vous m'excuserez, il faut que j'aille à l'office. Je vous laisse la clé de monsieur Cust sur le comptoir. J'arrive tard. J'ai perdu un temps fou à discuter avec la police de Doncaster. Et vous? J'ai établi un point important. À trois reprises, Cust s'est trouvé sur le lieu du crime, le jour du crime. Je ferai mieux de... Je vous ai écouté avec attention, Poirot. Pour moi, plus aucun doute. Cust est coupable. Avez-vous un seul indice qui tendrait à prouver le contraire? C'est ce que nous allons chercher ensemble. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Je vais essayer de faire ça. Alors, Cust a-t-il eu la possibilité de tuer les trois victimes?
Ah voilà, que se trouver sur tous les lieux. Tu des points communs entre Cust et le meurtrier. Voilà, c'était simple. Coupable, d'ailleurs. Les charges contre Cust sont accablantes. Sa présence sur les lieux, le couteau, la chemise tachée de sang, les indicateurs abaissés empilés dans un carton. C'est exact. Cependant, le sang que Madame Marbury a vu sur la chemise de Cust pourrait bien être le sien. Après tout, son dossier médical dit qu'il souffre d'hémoptysie. L'assassin a égorgé Sir Carmichael par derrière, et le sang a jailli par devant. On s'attend à ce que la chemise du meurtrier soit tachée au manche, pas à la boutonnière. Or, c'est le contraire qu'on observe. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux sur tous ses crimes. Mais la collection de Cust commence à Churston, comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard. C'est troublant, je vous l'accorde. Mais ça ne me fait pas changer d'avis. Ce sont des détails que nous pourrons sûrement expliquer en interrogeant Cust. Quand pourrons-nous lui parler ? Doncaster nous l'envoie par le premier train du matin. Ils ont commencé à l'interroger ? Il prétend ne se souvenir de rien. C'est plausible. D'après son dossier médical, il souffre d'absence et d'amnésie, et Madame Marbury confirme. Il aurait commis ses meurtres dans un état second ? Il y a des précédents. Mais ça ne suffit pas à l'innocenter. Le docteur Thompson m'a dit et répété que même dans le dernier des états, on ne commet jamais un meurtre sans le vouloir. Très intéressant, je m'en souviendrai. Bien. Le troll. Je monte examiner la chambre du suspect. Inspecteur, je me suis permis d'y prélever quelques indices que je voudrais étudier chez moi. D'accord, nous en parlerons demain. En attendant, je vais voir si quelque chose vous a échappé. Presque pas. On retourne dans le taxi avec le Playmobil qui bouge pas. À Scotland Yard, s'il vous plaît. Il fait comme chez lui. Ah, on y est enfin. Devant cet enfoiré. Cet homme n'est pas en forme. Ouais, ça se voit. Les yeux baissés. Geste nerveux et... Geste froissé. Il n'a pas l'air froissé, hein. Il est inquiet et très fatigué. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. Oh. Le pauvre. On s'en fout. Il l'a mérité. Alors se présenter, demander si c'est qui lui parle. À mon avis, il le sait. Demander qui il est. Par contre, la coupe de cheveux... Un mélange entre une calvitie et une crête mal faite. Bonjour, monsieur Cust. Je suis Hercule Poirot. Ah, vous êtes le détective. Il fait genre. Pourquoi m'avez-vous envoyé une lettre avant chaque crime ? Pourquoi toutes ces questions ? Quand... Arrêterez-vous de me persécuter ? D'accord. Vous n'avez pas écrit ces lettres. Reste à savoir qui l'a fait. Sûrement un de mes ennemis. J'en ai beaucoup. Ah bon ? Ah bon ? L'accusé d'être un tueur, on va éviter. On va mettre la phrase qui n'est peut-être pas français. Avouez ne pas le croire être un meurtrier. Je ne vous crois pas capable de tuer, Cust. J'espère que non. D'accord. Il a l'air un peu con-con, hein. Vous avez souffert à la guerre ? C'est vrai, j'ai été blessé. J'ai souffert. Pourtant, l'armée est le seul endroit où je ne me sentais pas inférieur. Pas de questions, des ordres à suivre. Mais depuis votre blessure, vous avez des absences, des périodes d'amnésie. Et des migraines. Oh. Le professeur Clark vous a soigné. Oui, il y a quelques années, il s'est bien occupé de ma gorge brûlée. Il arrête pas de faire comme ça. En fait, je crois que c'est la modélisation qui est mal faite. Parce que quand il lève sa tête, ça fait comme ça. Bref. L'accusé du meurtre du docteur Clark, l'accusé des trois meurtres carrément. Bon, on va être sympa.
Bien sûr, il ne vous est pas venu à l'esprit de tuer un médecin qui vous a si bien soigné. Non. Non, jamais. Niez-vous être allé sur les lieux des meurtres? Et alors, ce n'était pas mal d'aller là-bas. C'est seulement pour mon travail. Mais oui. Il va cracher ses poumons sur la table. Ouais, il fait pitié. Prenez ceci, cela vous fera du bien. Merci. Oh. Oh mon Dieu, j'ai encore trempé ma chemise de sang. Bon, je vois bien à présent d'où viennent les taches de sang observées par Madame Marbury. Êtes-vous en état de parler? Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux, il vient juste de cracher une tonne de sang. Bah du coup, je recommence. Niez-vous être allé sur les lieux des meurtres? Et alors, ce n'était pas mal d'aller là-bas. C'est seulement pour mon travail. On vous a vu sur tous les lieux des crimes. Eh bien oui, j'ai fait ces voyages pas pour m'amuser. Je suis toujours malade en train. Mais je devais tenir mes engagements. Mon employeur me donnait des consignes écrites très précises sur les villes où je devais aller. Oh putain, mais... Voyons. La compagnie pour laquelle vous affirmez travailler, Silky Legs, n'a jamais entendu parler de vous. Quant à ces lettres qu'elle vous aurait envoyées, elles ont été écrites sur votre propre machine. Cette machine m'a été expédiée par la société quand j'ai commencé à travailler pour elle. Oui, mais les lettres ont été reçues après. Il semble donc que vous les ayez tapées avant de vous les envoyer à vous-même. Je ne me souviens pas. Mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. J'ai trop mal à la tête. Putain, mais c'est une tarlouse. Prenez ceci, cela vous fera du bien. Il fait la formation, enfin il fait le docteur en même temps de l'interroger, quoi. Ce mec. Ah, je crois que ça va aller mieux. Voyons, Cust, regardez-moi bien. Vous savez pertinemment que vous avez commis ces meurtres. Oui, je le sais. Mais je ne me trompe pas en disant que vous ne savez pas pourquoi vous les avez commis. Parce qu'il est taré. Non, je n'en sais rien. Parlez à Jap. Ah, c'est terminé, ok. Bon, on te laisse tranquille. Malade mental. Alors, qu'en avez-vous tiré? Beaucoup de choses. Peut-être cela nous aidera-t-il à préciser notre jugement sur lui. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. On peut y échapper à ça. Ouais, c'est parti. Que sait-on de la santé de Cust? Ça, c'est fastoche. Tac et tac. Voilà, c'était fastoche. Cust est faible mentalement et physiquement. Pas vraiment le profil du tueur. Des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust dans le meurtre de Churston. Ah bah voilà. Ça tient à ce que la chemise du meurtrier soit attachée au manche et pas à la boutonnière. Or c'est le contraire qu'on observe. La Jedis. Il y a des indices qui ne collent pas. Ah d'accord. C'est la même question en fait. Oh. On peut pas encore être certain de sa culpabilité. Peut-on dire de manière irréfutable que Cust est coupable? Non. Innocent. Ah, t'as bien changé d'avis là. D'ailleurs, c'était coupable. Je n'y vois pas plus clair qu'avant. En fait, c'est pire. Tremblez. Il y a tout de même un point à souligner. Cust reconnaît avoir tué, mais ne sait pas dire pourquoi. C'est curieux. Souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Thompson. Même si Cust a tué dans un état second, il n'a pu le faire qu'en accord avec ses désirs profonds. Il devrait forcément avoir une motivation. Restons simples. Peu importe sa motivation, il a avoué. Vous voyez bien qu'il peut avouer tout et son contraire.
Il a nié les meurtres, puis les a reconnus. Il m'a affirmé qu'il n'avait jamais tapé les lettres, puis je lui ai fait dire le contraire, sans trop de difficultés. Mais enfin, il s'est conduit en coupable. Voyez comme il a menti à sa logeuse. C'est parce qu'au fond, il se pense coupable. En lisant les journaux, il a constaté sa présence systématique sur les lieux des crimes. Il doit penser qu'il a tué, puis oublier tout ce qu'il avait fait. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Étudions ensemble son profil psychologique, et vous comprendrez mon point de vue. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. C'est reparti. Cost est-il intelligent ? Non. Non, je déconne. Ouais, c'était ça. Cost est-il sûr de lui ? Il n'y en a qu'un à trouver, donc ça va être rapide. Il était hésitant et timide. Cust est-il un séducteur ? Ah oh bah c'était ça. Sans charme. Oh ça se fait pas. Bon c'est vrai qu'il ressemble à rien. Quand même. Cust aime-t-il les trains ? Non il est malade. C'était où ? C'était là ? N'aime pas les trains. Cust est-il impulsif ? Froid. Froid, ça veut pas dire impulsif. Donc, Cust est-il généreux ? Non. C'est un putain de crevard. Comme moi. Vous voyez ? Le caractère de Cust est à l'opposé de celui de l'assassin. Mais s'il est fou, est-ce qu'on peut vraiment parler de son caractère ? Vous savez très bien que l'assassin ne se comporte pas en psychopathe. À part la signature, aucun rituel ni de récurrence dans le choix des victimes. Bien, bien, très bien. Vous avez raison, comme toujours. Donc nous n'avons plus d'aveux, plus de coupables, plus de suspects, plus rien du tout. Et ceci après 2 mois d'enquête. Que dois-je faire ? Confiance. Laissez-moi seulement 24 heures. Oh, les amis. Avec qui ouvert ? Entrez à la maison. À Whitehaven, s'il vous plaît. Je pense qu'on va s'arrêter, les amis, puisque sinon on va trop avancer. L'arrestation de Cust est un succès pour vous, Poirot. Tout est clair maintenant, sauf peut-être quelques détails. Les détails ? Ah, mon ami, le diable est dans les détails, comme on dit. Pardon ? Patience, Hastings. Pardon. Tout s'expliquera quand nos invités seront là. Dites-moi, auriez-vous l'obligeance de glisser un revolver dans votre poche avant qu'il n'arrive ? Oh le bâtard. Un revolver ? Mais Poirot, que craignez-vous ? Faites-moi confiance. C'est au cas où ça Il part. Est important que vous portiez une arme pendant cette réunion. Je vais vous prêter la mienne. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête ? C'est au cas où ça part Surtout en couille. Pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Apportez le revolver à Hastings. Ok. Bon, ça partira en live dans la prochaine vidéo, qui sera peut-être la dernière, vu que c'est le dernier chapitre du jeu. Donc on le fera en entier, je pense, dans le prochain Let's Play, et ce sera terminé avec Agatha Christie. Enfin, Hercule Poirot, quoi. Donc voilà. Il va y avoir de l'action pour la fin du jeu. Donc n'hésitez pas à me chercher le petit like ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve demain pour un Let's Play sur Liberated, le jeu BD. La BD jouable, j'aime bien dire ça. Donc, aussi je tiens à vous informer que j'ai bientôt terminé le montage de la vidéo des animations. En fait, vous attendez pas une vidéo de ouf, hein. J'ai vraiment... elle a été plus simple à faire que ma vidéo des modes de corps. Donc c'est vraiment pour expliquer, mais vous attendez pas une vidéo de ouf, des explications de ouf, parce que je suis pas un expert dans le domaine des animations. Je vais juste vous montrer quelques astuces et que vous ne soyez pas perdu avec les fichiers et tout ça, voilà. Donc en fait j'essaie de vous apprendre avec mes connaissances à moi, qui sont pas ouf. Donc salut les gens, de toute façon vous verrez. Allez ciao.